Silence. Veuillez vous lever. La Cour du Québec, présidée par l'honorable juge McKay, est ouverte. Veuillez vous asseoir. Merci de votre patience. Dans la cause qui nous concerne, la Cour reconnaît Madame Stéphanie Malek coupable des accusations contre elle. Bon, je sais que tout ça a de l'air décourageant, mais on a encore des options qui s'offrent à nous. Mais vous êtes qui, vous? Mon avocate est rendue où? Si tu regardes bien derrière mes rides, tu vois pas? On dirait que... Es-tu la grand-mère du côté de mon père que j'ai jamais connue? Oh non. Est-ce que je suis morte? Non. Je suis pas ta grand-mère. Je suis toi, mais dans le futur. Et non, on n'est pas morte. Je suis venue pour te donner des informations, pour t'aider dans la situation que tu vis en ce moment. Quel genre d'informations? Bon, pour commencer, t'as été déclarée coupable, mais t'as pas encore reçu ta peine. Ça reste encore à déterminer. Bientôt, un juge va prendre en compte plusieurs éléments pour déterminer ta peine, comme par exemple la gravité de ton crime, et les conséquences que ça a causées sur les personnes impliquées. Par contre, le juge va aussi évaluer ta situation personnelle, comme ton cercle social, les risques que tu commettes un autre crime et tes antécédents judiciaires. Wow! C'est chargé. Ça a de l'air assommant, tout ça. Je le sais, mais c'est important que tu l'entendes. Ça veut pas nécessairement dire que tu vas aller en prison non plus. Le juge doit évaluer toute la situation. Et il se pourrait qu'il puisse te donner des travaux communautaires ou une amende. Une chose est sûre, c'est que tu vas avoir une tâche dans ton dossier. Donc, c'est tout? Je vais devoir rester assis là en espérant que le juge soit de bonne humeur? Non, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Demande rapidement à ton avocate de faire préparer un rapport GLADU. Ce rapport va aider le juge à choisir la peine la plus adaptée pour nous en tant qu'Autochtones. Il donnera des informations sur notre histoire personnelle, celle de notre communauté, celle de notre famille et sur nos remords. Ça pourrait nous permettre d'avoir une peine avec une approche plus réparatrice et communautaire. Vraiment? C'est encourageant. Je t'avais dit que je gardais le meilleur pour la fin. Maintenant, retourne là-bas et puis garde la tête haute. Merci d'avoir pris le temps, puis de m'avoir fait voyager dans le temps. Est-ce que tout va bien, Madame Malek? Oui, ça va bien. Est-ce qu'on peut se rencontrer bientôt? Mm-hmm. J'aimerais demander un rapport GLADU. Oui, absolument, Madame Malek.